Coucou, je vais vous retrouver pour faire un retour sur mon planeur. Voilà, j'avoue, j'ai carrément laissé de côté le planeur. Et au mois de mars, je ne l'ai quasiment pas utilisé, donc quasiment pas décoré. Donc à chaque fois, je vous avais fait une page, on faisait les pages ensemble. Et bah là, carrément, ça a été laissé à l'abandon. On va dire. Donc j'avais fait ça jusque-là avec vous et après bah du coup bah j'ai mis le trombone ici pour englober toutes les pages puisque de toute façon je n'ai absolument rien écrit dedans, rien décoré, rien fait. Donc bon, vu que c'est du passé entre guillemets, j'ai pas envie de revenir dessus. Voilà. Donc j'ai fait le mois d'avril. Alors j'ai utilisé le kit. Mes kits chouchous là alors attendez, j'en attrape un. Vous savez, ces fameux kits là de chez Action où il y a plein plein de choses. Donc alors les 7 comme ça, j'en ai reçu plusieurs. Merci tout le monde, merci les filles qui m'avaient envoyé tout ça. Ça me fait super plaisir. Donc du coup je n'hésite pas à les utiliser. Enfin, j'en ai utilisé que un pour l'instant. Parce que je me dis pas, bah mince, si je l'utilise, j'en aurai plus. Donc j'ai fait l'intercalaire du mois d'avril. Voilà, avec une de ces pages. Là, j'ai rien fait. Alors, je vous montre juste plus ou moins la déco que j'ai faite. Donc là, il n'y a rien. Donc ici, c'est du masking tape tissu Vichy. Voilà. J'ai commencé à mettre un petit peu les vidéos que j'ai mis en ligne, mais je suis pas très sérieuse là-dessus puisque je ne les marque pas au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai accroché. Bah, vu que j'ai pas trop été, on va dire, assidue à mon planeur, du coup je l'ai surtout décoré et pour le reste, au mois de mai, franchement, je vais essayer de faire mieux. Donc c'est essentiellement le mois d'avril, c'est que le kit licorne. Voilà. Donc bon, j'avais fait une vidéo de carte naissance, le prénom anticotin, oui super. En tricotin, là c'était donc mon anniversaire. Donc du coup, on est allé au resto avec mes parents, les filles, mon mari. Alors là, alors j'ai collé ça, c'est un petit clin d'œil. Today I choose to be a unicorn. Ça veut dire, pour ceux qui font pas du tout d'anglais, aujourd'hui j'ai choisi d'être une licorne. Alors pourquoi j'ai collé ça là? Parce que le 11 avril c'est le début de mon régime. Donc du coup, j'ai trouvé la petite phrase de motivation assez sympa. Voilà. Donc après, bon bah c'est le petit masking tape. Rose à poire, rien de folichon, du collage, c'est vraiment du rapidos, hein, on va dire. Bon bah là, c'est mon bilan, mon poids. Les filles là, elles sont parties en vacances. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs petits trucs un peu perso. Là, c'est mon entrée à version scrap. Là, c'était le jour de version scrap, le dimanche. Bon, voilà, on est allé manger la petite cafette chinoise quand mes parents, ils ont ramené les filles de vacances. Enfin, d'intime, hein. Rien de folichon, rien d'extraordinaire, une petite vie banale. Donc, du coup, voilà, j'ai collé. Alors là, j'ai changé. J'ai pas mis du rose pour une fois, mais j'ai mis du masking tape. Vert, voilà, you make me ridiculous happy, ça veut dire que tu me rends ridiculous, je sais pas si c'est un faux ami ou pas, enfin tu me rends heureuse, mais voilà, je sais pas la traduction précisément, mais en gros c'est que tu me rends heureuse, voilà, des licornes, des licornes, des licornes, j'en ai foutu partout, voilà, donc là c'est aujourd'hui, bon je pense pas que je vais décorer quoi que ce soit, et je vais m'attarder à vous faire la vidéo pour commencer le mois de mai. Il faut que je fasse mon intercalaire. Puisqu'à chaque fois, je change d'intercalaire. Je personnalise mon intercalaire.
Et voilà, il n'y a plus qu'à personnaliser la page. J'ai déjà mis les numéros. Voilà, j'ai plus qu'à tout personnaliser, décorer et reprendre ça sérieusement avec vous. Donc voilà pour le petit retour d'avril. Il n'y aura pas eu de retour sur le mois de mars, pardon, vous l'aurez compris, puisque je n'ai rien fait dessus. Et j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donne peut-être une petite idée pour faire quelque chose avec ces kits là. Franchement, ils sont géniaux si vous en trouvez. Même les autres et tout, ils sont formidables ces kits là. Ça permet de faire pas mal de choses. Il y a à la fois du papier, des die-cuts, des stickers. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et le papier, il est facile à utiliser, je trouve. Donc voilà, voilà. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.